Amis téléspectateurs de la radio-télévision Likwala, merci de votre fidélité à cette chaîne. Aujourd'hui, nous sommes à Ifono, Ifono, capitale du département de la Likwala. Nous allons parler des échos de la CNCS. Michael de Jérusalem, Aloïse Mbété, les deux journalistes qui sont en face de vous s'entretiendront avec le directeur départemental de la CNCS, Monsieur Sylvestre Okanze, qui nous dira comment fonctionne cette structure déconcentrée au niveau du département de la Likwala. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci une fois de plus de nous avoir accordé cet entretien. Vous avez été à l'honneur qu'une délégation, une importante délégation ministérielle a séjourné dans le département pour la mise en service de ce joyau architectural, le nouveau siège de la direction départementale de la CNCS. Comment sentez-vous dans ce nouveau cadre de travail? Oui, merci monsieur le journaliste. Comme vous venez de le dire, votre question, il faut dire, est la bienvenue. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous nous sentons aisés, à l'aise dans notre milieu de travail parce que toutes les conditions de travail sont réunies. Vous voyez, pour la petite histoire, il faut dire que tout est parti du constat de M. Evariste Ondongo, directeur général de la CNCS, qui a compris que à l'intérieur des départements, à l'intérieur du pays, les conditions de travail des agents ne sont pas, n'étaient pas les bonnes. Voyez-vous? Alors, c'est pourquoi il avait eu cette vision d'ériger, de faire construire un peu partout, dans toutes les directions départementales de notre pays, des nouveaux sièges, de nouveaux édifices de qualité. Monsieur le directeur veut expliquer à la population, encore aux travailleurs, encore ou à nos téléspectateurs ou auditeurs qui vont suivre cette émission, sur leur faire un bref aperçu sur la CNCS, comment elle fonctionne, comment elles peuvent faire, cette population, encore ses bénéficiaires, ses usagers, comment elles peuvent faire pour accéder à vos services. D'accord, ben, il faut relever qu'il faut d'abord faire signifier aux gens que la CNCS, déjà, vous avez, au début de votre introduction, essayé d'édifier, de faire connaître à la population ce que c'est la CNCS. La CNCS, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est un organe, un organisme qui s'en charge du volet social, qui s'occupe des travailleurs évoluant dans le secteur privé, pris en compte par le code de travail. Donc, leur organisme reconnu officiel en République du Congo, c'est la CNCS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, tous ceux qui évoluent dans le secteur privé sont appelés à se faire connaître, à se faire immatriculer à la CNCS en vue, il faut dire par leur employeur, en vue des paiements des cotisations sociales. Voyez-vous? Donc, la CNCS ne s'arrête pas là. Il y a aussi des particuliers. Quelqu'un qui travaille pour son propre compte. Je veux dire, un tailleur par exemple, un pêcheur, un agriculteur ou celui qui vend au marché sur les étalages peut s'approcher de la CNCS pour se faire souscrire. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que nous avons la force, nous avons de l'énergie pour pouvoir faire au maximum ce que nous avons besoin. Mais avec l'usure du temps, le temps viendra où nous n'avons plus la force. C'est à ce moment-là, toutes les périodes que tu as cotisé à la CNCS et que tu as atteint l'âge de la retraite, à ce moment-là, la CNCS va vous prendre en charge.
après que vous ayez déposé votre dossier de pension. Vous voyez? Donc, la CNSS a entre autres mission de payer les pensions à ceux qui sont admis à la retraite et qui étaient connus à la CNSS. Pendant que, il n'y a pas que les pensions, parce que en dehors des pensions, les gens sont bénéficiaires d'une pension, c'est quand ils sont admis à la retraite. Mais non, avant la retraite. Est-ce que la CNSS n'a pas d'autres prestations à payer à ses employés? Oui, je dirais oui. Donc les employés auxquels les employeurs payent les cotisations sociales à la CNSS ont des droits. Ils n'ont pas que des obligations vis-à-vis de la CNSS, ils ont aussi des droits envers la CNSS. Quels sont ces droits? Il y a ce que nous appelons les allocations familiales. Un employé pour qui son employeur paye les cotisations sociales a le droit de bénéficier des allocations familiales pourvu qu'il dépose le dossier. Et est-ce qu'un autre droit où nous appelons des accidents de travail? Quelqu'un qui exerce un travail donné pendant les heures de son travail connaît un accident de travail, alors tout le temps qu'il va rester, toute la période qu'il va rester à la maison en train de prendre les soins, figurez-vous que son employeur ne va pas lui payer le salaire parce que son contrat est suspendu. Étant donné qu'il est affilié, il est immatriculé à la CNSS, cette période, la CNSS prend charge pour lui payer cette période, pour ne pas qu'ils se retrouvent lésés et tout. Voilà l'importance des cotisations sociales. Merci, monsieur le directeur, pour toutes les précisions. Monsieur Sylvestre Ocamé, directeur départemental de la CNSS de la Likwala, combien d'années doit-on cotiser pour bénéficier de ses droits à la retraite? Oui, une question très pertinente. Cette question est très pertinente parce que le commun des mortels a besoin d'être informé. Voyez-vous, quand vous êtes employé dans une société donnée, pour pouvoir bénéficier de ce que nous appelons la pension normale, il faut avoir cotisé pendant 20 ans. Il faut cotiser au moins 20 ans. Voilà. Maintenant, ceux qui pourront cotiser dans l'intervalle de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, bénéficient aussi d'une pension, mais cette pension a un modèle de calcul, a une autre dénomination, on l'appellerait la pension proportionnelle. Donc le mode de calcul de cette pension est différent de celui de la pension normale. Alors, maintenant, ceux qui n'ayant pas eu la chance de bénéficier d'un temps aussi important pour pouvoir bénéficier soit d'une pension normale, soit d'une pension proportionnelle, peut-être il a cotisé pendant 5 ans, 10 ans, 8 ans, 11 ans, cela, dès lors qu'il atteint l'âge de la retraite, il dépose son dossier et la CNSS lui verse ce qu'on appelle une allocation de vieillesse, c'est-à-dire un paiement unique, et son contrat finit avec la CNSS. On lui, si c'est 2 millions, 1 million, 5 millions, 10 millions, ça dépend par rapport à son salaire qu'il gagnait, on lui verse son argent une bonne fois et c'est fini, son contrat est fini avec la CNSS. Par contre, les bénéficiaires d'une pension normale ou proportionnelle, c'est jusqu'à la fin de sa mort et jusqu'à la fin de sa vie. Pendant qu'il est en vie, il continuera
à bénéficier toujours de sa pension. Une fois décédé, s'il était marié officiellement avec sa femme, alors on refait les calculs, la femme dépose son dossier, on refait les calculs pour que la femme qui bénéficie des 30% et de la pension de son mari va continuer à percevoir la pension. Il y a possibilité qu'un père de famille puisse immatriculer sa progéniture. Cela est-il possible? Immatriculer sa progéniture. Non, si l'on a les moyens, il n'y a pas de problème. C'est comme si quelqu'un qui a ouvert une société, il a employé du personnel et qui s'occupe de ce personnel. Il n'y a pas de problème. Pour vous qu'il ait les moyens pour le faire, c'est comme en banque. Non, aujourd'hui, nous avons des pères de famille qui ont ouvert des comptes en banque, des comptes de leurs enfants encore jeunes, moins de 18 ans. Mais chaque fin de mois, ils versent de l'argent. En ce sens que quand l'enfant va atteindre l'âge qu'il faut, l'âge majeur, quand l'enfant deviendra majeur, qu'il prenne le relais. Il a déjà quelque chose dans son compte. Un numéro matriculé. Non, je parle, j'ai pris le cas de la banque. Ouais. Mais non. Au niveau de la CNSS. Au niveau de la CNSS, non, c'est comme j'ai dit. Étant donné que la CNSS reçoit tout le monde, que tu évolues dans l'informel. Aujourd'hui, c'est même la réflexion qui est à la une. La réflexion qui ferait de telle sorte que tous ceux qui évoluent dans l'informel soit passent dans le formel. Donc, par rapport à la question que vous avez posée, si un père de famille peut immatriculer son enfant ou ses enfants à la CNSS au vu du paiement des cotisations sociales, je dirais qu'il n'y a pas de problème. Ces enfants-là rentrent dans le cadre des assurés volontaires. Au niveau du département de la Lingala, voire au niveau du territoire national, la Caisse nationale de sécurité sociale a payé le dernier trimestre de l'année écoulée. Je veux parler là de l'année 2022. La paie avait été effectuée et nous nous étions déployés sur le terrain pour payer ces cotisations sociales. Vous voyez, je crois que là, outre ceux qui perçoivent en banque, nous avons environ des 100 pensionnés que nous payons au niveau du département de la Lingala. On ne sait pas au cours de ce trimestre avec les dossiers qui ont été déposés, puisque chaque trimestre on dépose les dossiers. Donc on va aller, je ne sais pas, à 200 combien. Et tout ce monde-là avait été payé. Que ce soit les bénéficiaires des allocations familiales, que ce soit les bénéficiaires des indemnités journalières, ceux qui ont été victimes d'accidents de travail, que ce soit les bénéficiaires des rentes mensuelles, trimestrielles, annuelles, pour parler du quatrième trimestre 2023. Alors, et là, nous sommes quasiment à la fin du premier trimestre 2024. Je peux déjà vous dire que notre machine est en marche. Sous peu, vous allez entendre que bon, Brazzaville a déjà commencé et peut-être quelques jours suivants, le département de la Lingala va prendre le relais. Sous peu. Ah ouais, ok. Alors, monsieur le directeur départemental de la Caisse nationale de sécurité sociale, vous êtes à l'honneur aujourd'hui sur les antennes de la radio-télé Lingala. Et à vous, certainement, nous n'avons pas pu atteindre une préoccupation que vous avez bien voulu mettre à la disposition de nos téléspectateurs et auditeurs. Ça peut être lequel? Et à vous de conclure notre émission de ce jour. Oui, monsieur le journaliste,
En conclusion, j'aimerais bien rappeler et lancer un cri de cœur à tous les habitants, hommes, femmes, jeunes filles, jeunes garçons, qui évoluent au niveau du département, qui habitent le département de la Likwala, pour dire que la Caisse nationale de sécurité sociale, leur structure est là. Ses portes sont largement ouvertes pour recevoir tout le monde. La CNSS ne s'occupe pas seulement des travailleurs qui ont des emplois dans les sociétés. Que tu aies une boutique, que tu aies une un magasin, que tu es pêcheur, que tu es tailleur, avec le temps, tu n'auras plus la même énergie pour faire le travail que tu fais aujourd'hui. La CNSS reçoit tout le monde. Il faudrait que chacun de nous prenne conscience de nous, afin, dans le sens de garantir nos vieux jours. Garantir nos vieux jours. Chaque trimestre, les gens entendent qu'on est en train de payer les retraités. On est en train de payer les retraités parce que ceux-là avaient cotisé pendant qu'ils étaient encore forts, pendant qu'ils étaient encore jeunes. Ils sont devenus vieux, faibles, ne pouvons plus mener une activité quelconque. Alors, c'est à la CNSS, à un organisme de sécurité sociale, de s'occuper de lui. Donc, j'invite tout ce monde de venir. Il y a beaucoup de gens qui exercent au niveau, si je veux parler de la ville, donc, au niveau de la ville d'Ifondo, mais les gens travaillent dans, comment vous appelez ça, les menuiseries. Le nom m'échappait, merci. Les menuiseries, les gens exercent, mais non, ils ne sont pas connus à la CNSS. Les salons de coiffure. Les salons de coiffure. Les restaurants. Les restaurants. Merci de me rappeler tout ça. Les restaurants, les salons de coiffure, les gens ne viennent pas se faire souscrire, se faire affilier à la CNSS. Mais aujourd'hui, oui, tu as encore de l'énergie, mais demain, tu n'auras plus la même énergie pour aller s'asseoir à préparer du repas, pour faire manger, pour nourrir les gens. Non. Et un autre appel que j'aimerais lancer, c'est à nos amis employés, travailleurs, pour qui les sociétés payent les cotisations sociales à la CNSS. Mais qui, nombreux, malheureusement, nombreux ne bénéficient pas de leurs droits en termes d'allocation familiale, simplement parce qu'ils ne fournissent pas les dossiers. 6 000 francs, 2 000 francs le mois, 6 000 francs le trimestre, pour un enfant, si vous en avez 3, 4, 5, ça vous fera combien par trimestre? Mais malgré les explications, non, les gens ne s'attellent pas, les gens ne vous comprennent pas. L'argent que vous devez bénéficier comme ça, et qui peut-être à un moment venu, vous avez besoin du cahier de l'enfant, d'acheter le cahier, le sac, ça vous permet d'acheter, c'est l'appui que la CNSS donne par rapport à la scolarité de l'enfant. Mais les gens ne déposent pas les dossiers. Donc que les gens puissent comprendre, à pouvoir déposer les dossiers en vue de bénéficier des allocations familiales. Et à nos amis employeurs qui paient les cotisations sociales de leurs travailleurs à la direction générale à Brazzaville, c'est pas mauvais, mais ce que nous aimerions que ces cotisations rentrent dans le compte de la CNSS, les voilà. Oui, s'il s'agit de payer les cotisations sociales, mais ils payent à Brazzaville, ils payent à Ouessant. Mais quand il s'agit de leurs victimes d'accidents de travail, c'est la CNSS le problème de son. Le DG de l'Opola est stupéfait. Il dit, je n'ai jamais vu ça depuis que vous êtes arrivé. Mais chaque fois, mes travailleurs
victimes d'accidents du travail bénéficient des indemnités journalières. Mais oui, c'est notre devoir de le faire.